Allez, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator. Et vous avez vu ce petit MF? Eh ben, on va travailler avec lui tout de suite. Hop, Alors, déjà quand tu rentres dedans, c'est joli. Alors, Y. Y. Je sais pas si. Oh. Ah. Non, je crois qu'il n'avait pas démarré. Est-ce qu'on peut voir une vue d'extérieur? Oui, nickel. Alors, déjà, je vais prendre la herse. Parce que si j'arrive pas à prendre le chargeur, ce sera pas bien grave. Hein. Parce que logiquement, il a les deux. Et il est joli, hein. Il est magnifique ce tracteur. Vous en pensez quoi? Hop. La petite herse. Allez, on recule un peu. On va commencer à faire mes champs ici sur cette voilà ma plaque. Qu'est-ce que je fous moi? Ouais, faut bien viser. Alors je sais pas si il peut l'avoir le chargeur. Ça serait bien qu'il l'ait parce que il avait un chargeur. Oula. Oh bon, il l'a attaché. C'est cool. Il l'avait attaché le chargeur. Bon bah y'a pas moyen. Voilà, on fait des conneries. Le chargeur il ne l'aura pas d'ailleurs. On a vu le chargeur, il a disparu, totalement disparu, mais enfin bon. Le chargeur a coulé. Il est coulé moi. Bon c'est pas, voilà, on va pas s'inquiéter du chargeur, hein, on va pas s'en inquiéter. Allez, on va le mettre à travailler. Hé hey, Coco. Ah bon, quand tu veux, travaille. Allez, on va faire travailler ici. V et 1. Hé, hey, pas mal. Vous avez vu la terre, comment il la retourne? Il la retourne de proprement. Il retourne bien la terre. Hop. B. T'as à faire attention là. Je peux te passer les tracteurs là. Pour de vrai, hein. Ça c'est pas. Non, il est pas passé dans Farming, il est passé pour de vrai chez moi. Hein. Hop là, oula. Tu me piques quoi toi? Ouh! Bon, il se passe quoi là? Ah oui, d'accord, il y a des cailloux. D'accord, on va accélérer un peu. Allez, putain de cailloux, voilà. Hein? Parce qu'en fait, il y a des putains de cailloux qui se trimballent sur le terrain. Et j'avoue que c'est chiant. Bon, la BM, je sais pas pourquoi elle est plantée comme ça. Allez. V1.
fait, j'ai l'impression que la BM me regarde depuis tout à l'heure là. Viens de dire, tu fais quoi toi? Bah moi je joue pour l'instant. Enfin je joue. Je travaille. Enfin, je fais un travail. Un grand travail. Hop 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 hop. Mais qu'est-ce que je fais moi? Ah, c'est des terrains qui sont pas droits, donc j'y peux rien. Si je fais des petites erreurs comme ça, les terrains ne sont pas droits. Quand je vais repartir pour vraiment faire le terrain, il sera droit. Là, je crois que ça enlève les cailloux en même temps. Alors je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. C'est vrai que ça, sur cette map là, ça fait un petit moment que j'ai pas retourné sur celle là et j'ai du travail à faire. C'est vrai que j'ai quelques petits travaux à faire, notamment pas mal de champs. Et c'est vrai que même si c'est des champs que j'aime pas trop parce qu'ils sont pas bien, quand tu veux. Il y a que de trop ou pas assez lui. V. Hein, c'est parti. Ouais, donc je disais, sur cette map là, ça fait un petit moment que j'ai pas été. Et donc du coup, ben, j'ai pas mal de travail à faire maintenant sur celle-là. Je m'occupe d'une grande nouvelle qui a beaucoup plus de choses au niveau céréales plutôt que de celle-là. Et pourtant, elle est bien, elle est pratique, elle est petite, il y a des petits champs. Et justement, pour des tracteurs comme ça, c'est pas plus mal. J'aime bien la texture de la terre quand tu y retournes. On a vu, c'est parce qu'en général elle est pas comme ça dans le jeu de référence. Et là j'aime bien, c'est qu'ils ont pris une belle texture pour la faire et je trouve ça pas mal. Et franchement je trouve ça géant. Alors je sais pas combien de minutes je vais faire ça, mais ça va être quelques temps, on va voir ensemble combien de temps on fait ce champ. Vas-y, vas-y, recule. Au niveau fonctionnalité du tracteur, il a rien en lui-même. Hein. Par contre, il fait de la poussière en forêt. Il n'y a pas les portes qui s'ouvrent, il a rien de spécial. Enfin, je crois pas. On va regarder vite fait. Non, tu vois, il y a des lampes, c'est tout. Sinon, ah bah attends, on peut faire H directement. Bah voilà. Et pourquoi s'emmerder nous? On peut faire H. Bah voilà, il va le faire lui-même. Et comme ça, moi, j'ai plus besoin de m'occuper. Hein. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire mon ouvrier? Je suis en train de me le demander. On va voir. Pour l'instant, mon ouvrier, il bosse. Ouais, il bosse plutôt pas mal. Donc, on se retrouve
sur farming avec justement mon petit ouvrier qui va se prendre un arme. Bah voyons. Oh putain, il me fait chier lui. Faut qu'il se prenne un arme. Bon, attends, je vais le virer parce qu'il va me faire chier. Connard, va. J'ai pas demandé de prendre un arbre. Je m'en doutais. Putain. Putain d'ouvrier de merde. B. H. Possible de faire ça. Je t'ai demandé de bosser, pas faire semblant de bosser. Au con, va. Avec ton tracteur de merde, là. Je t'ai dit bosser, pas faire semblant, moi. Bon, allez. Maintenant, tu bosses comme il faut. Et du coup, on a une belle vue du joli petit MF, là. Actuellement. Oh. Joli. Hey, il y a des beaux avions qui passent. En même temps, j'ai mon Fight Simulator nouveau qui vient de passer. Alors lui, il va se reprendre un arme, non? Non, pas encore. Ça va. Il me laisse des épis de maïs. Alors là, lui, complètement à la... complètement à côté de ce que je veux qu'il fasse. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc il le fait, il le fait. Même si on en laisse quelques-uns, c'est bon, ce sera pas bien grave. Je prends Cosmi, ça se verra pas. Donc je laisse une deuxième fois cette petite vidéo tournée, donc elle fera 20 minutes. Effectivement, ça peut être sympa. Ah, il va se reprendre un arme. Non, impeccable. Ouf. Ouais, ça passe super, super, super juste. Et là, le prochain, bah, il se le prend. Le prochain, j'ai l'impression qu'il va se le prendre. Directement. Pas directement. Oh là, bah oui, le prochain, il se le prend. Moi je peux faire ça déjà, on l'aura vu. Donc pendant que mon ouvrier bosse, moi je travaille aussi. Non, je plaisante, je fais mon truc. Et pourquoi il m'en laisse une partie là? Ouh, ouais, c'était juste à l'arbre, hein. Le grand fou. La moitié, enfin c'est pas grave, on verra ce que ça donnera. Parce qu'en fait je vais aussi semer sur cette map là, du coup ça me fera deux maps de champs de semer pour l'été prochain. Et là, boum, dans l'arbre. Non, pas encore. On laisse se démerder ou pas? On va rigoler un peu. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, il va me casser mon tracteur, lui. Ah, c'est enculé. Ah bah, il a réussi à sortir, hein. C'est qu'il est pas con quand il s'y met. Il va me faire quoi, la hache? Tu comptes me faire quoi, connard? Ah oui, maintenant, oui. Ah, c'est ce qui s'appelle faire un vol plané. Oh putain, enculé de ta race. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? C'est qui est parti, en plus. Ah, heureusement qu'on les laisse pas tout seul, les ouvriers. Ah putain, V, H. Ah putain. Ah, heureusement qu'on vous laisse pas tout seul, bande d'ouvriers, un peu plus long. Heureusement qu'il y a les patrons sur terre quand même. Ah putain de merde.
Ce sont les ouvriers de Farming Simulator. Cons comme leurs pieds. Hein, on va dire ça. J'ai un ouvrier comme ça, dans ma ferme, moi je le vis, hein. Alors là, attends, H. Bah oui, je m'en doute. Hein. T'es pas capable de conduire ça, eh ben tu t'abstiens. Déjà, tu m'as loupé ça, V. Non mais attends, c'est quoi ce... C'est quoi cet ouvrier de merde, là? Voilà, V. J'ai un ouvrier comme ça, moi je le vire de ma ferme. Hein. Attends. Il arrive même pas. Non mais. V. H. Non mais. Tu vas finir par bosser, connard. Tu fais exprès pour pas bosser là. Pour pas vouloir bosser. C'est même plus bosser, c'est fignanté ça. Je cause un ouvrier qui n'existe pas en fait. Hein. L'ouvrier c'est un ordinateur en fait, hein. C'est 1 ou 0. Hein. Il tape l'arbre, c'est 0, hein. Faut le savoir. Et là, encore une fois, il y a un arbre. Hein. Il va se manger. Non, voyons, il a de la chance, il se mange pas. Il va se manger l'autre. Non, j'ai de la chance. Il est pas si con que ça. Faut dire qu'il y a plein d'arbres dans cette map là, et c'est ça qui est chiant. Sur cette map, il y a plein d'arbres. Et donc du coup, j'aime plus trop cette map, parce que c'est vrai que quand on veut mettre un ouvrier là-dedans, bah c'est la merde. Ils font n'importe nawak. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est pas très très intéressant ce let-play là, parce que c'est qu'un ouvrier avec son tracteur, hein. De temps en temps, j'ai oublié de reprendre, mais enfin, heureusement que je suis là, quoi, pour le surveiller. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. On continue à avancer sur les deux maps à la fois. Et je crois que ce sera le numéro 6. On va le noter en numéro 6, celui-là. Ouais, ce sera le numéro 6. Alors, vous inquiétez pas, je jouerai donc sur les deux maps à la fois. Hein. Enfin, de faire une très 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 grande map, ce qui n'existe pas. Mais on jouera sur les deux maps à la fois, histoire de voir du pays. Le monde de farming. Bon, peut-être on rejouera aussi, peut-être sur un map d'origine. A voir. Oh là. Alors là, attention. Attention à la rigolade. Et bang. Hop là. Hop. Oh oh. Oh, j'ai échappé de justesse à une catastrophe là. Eh ben non, j'échappera pas. Ouf. J'ai de la chance. Hein. Au moins que le tracteur, lui, est pas trop con. En fait, le tracteur est moins con que l'ouvrier. V. H. C'est ça qui est super bizarre sur Farming. Le tracteur est plus... En fait, c'est le tracteur qui dirige. Un petit peu comme Fight Simulator. Là, les personnes qui sont dedans, c'est soit 1 ou 0, ils sont complètement bons. Mais par contre, quand on prend l'engin lui-même, nickel, ça marche tout seul. Regarde-moi ça. En fait, c'est bizarre ce qu'il fait. Il laisse ses épis. Il retourne comme la terre, alors on va savoir qui nous fout en fait. Là, il va carrément sur la route, mais vas-y, il va sur la route. Hein. Il va me déchaumer la route, ça continue. Mais c'est pas grave, hein, je t'en veux pas. Bah, allez, avance là. Putain, j'ai engagé quelqu'un d'autre, moi. Dommage. Ah oui, ça c'est. Contrairement à l'autre jeu de ferme, on peut pas engager qui on veut. Parce que il y a un jeu de ferme, je sais plus comment ça s'appelle. On peut engager la personne qu'on veut. Il y a plusieurs ouvriers. Et on engage celle qu'on veut. Et c'est ça qui est bien. C'est dans Ferme Simulator ou un truc comme ça. Non, c'est. Ah, je sais plus. Alors, j'ai repris le truc parce que
Regardez un peu le boulot que mon ouvrier me fait. On va un petit peu modifier tout ça. Voilà. C'est pas possible d'avoir un ouvrier comme ça. Allez, hop, V, 1. C'est pas du possible. Hop, S, V. V, 1. Non mais... Je vais leur apprendre aux ouvriers à bosser, non mais... Quoi ce boulot là? Pas du boulot ça, je regrette moi. Regarde-moi ça un peu. Il m'a rien foutu, regarde tous les épis qu'il me laisse là. C'est quoi ce boulot là, d'ouvrier de merde là? Non mais... Regardez-moi le boulot là qu'il m'a fait. Encore qu'il m'en laisse un ou deux, je veux bien. Il m'a tout laissé là. Hop. Allez, hop. Il n'y a plus grand chose à faire. Après je ramène le tracteur. Faut dire que le tracteur est con aussi à conduire. Allez, V. Le champ n'est pas forcément facile à faire. Je peux l'accorder à mon ouvrier. Mais enfin, quand même, là, un petit peu abusé. Coco, va falloir que tu bosses mieux que ça. V1. T'avais plus grand chose à faire, Coco. T'aurais pu me le faire en une seule fois. Non, mais. V. Allez. V. Voilà. Est-ce que c'était compliqué de me faire ce champ? Non, je pense pas là quand même. V. Hop. On est d'accord. Bon, ça, il y avait rien de compliqué à faire ce champ quand même. Allez, hop. Il est prêt pour semer ce champ. Pas n'importe quoi. Allez, hop, on y va. On va à la ferme. On va donc à notre petite ferme. Il sautille comme ça. Il est content le tracteur. Il sautille. Il est content. Il est content petit tracteur. Aïe aïe aïe. Il sautille. Hein, il est content. Il s'amuse. J'ai l'impression qu'il est cassé en fait. Il l'a cassé. Il de merde. Vas-y, on va la voiture. T'as vraiment que ça à foutre, connard de tracteur.
Mais là j'ai un problème, il sautille mon machin. Pourquoi il sautille comme ça? J'ai l'impression qu'il est tout déformé le machin. Regarde, il sautille. Sérieux? Ah, est-ce qu'il a des clés autant? Je sais pas. Je sais même pas si on est sur son truc. En fait, je sais pas. Ouais, lui, y a pas une clé autant sur ce truc là. Par contre, c'est de... Il s'est pris un pneu en fer, tu vois, et que ça saute toutes les 5 minutes. Le pneu en fer. Toujours ma moto qui est là. Allez, on va faire chier, j'ai intérêt à tourner tout de suite. Oh, hey, nickel, t'as vu ça? T'as vu ça? Ça, c'est du... Ça, c'est du savoir-faire. Allez, le let's play numéro 6 va se terminer là-dessus. À chaque fois qu'on range le tracteur, forcément. Ça se termine toujours sur un retour à la ferme. Là par contre j'ai un sacré problème avec mon tracteur. Hop là, la poule tu dégages, merci. Que lui que je range cette merde là. On peut reculer encore. Hop. Voilà, V et Y et E. Alors j'espère que ça vous aura plu, hein. Passez une excellente soirée. Profitez-en pour mettre un pouce j'aime si vous aimez mes vidéos, hein. Et puis non, profitez-en pour vous abonner. À bientôt.